Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 21, il est 9h pile poil. Ça a été animé ce matin encore. Ça a été animé encore ce matin puisque, alors de base, pour vous expliquer, on avait prévu cette petite journée de jeudi ensemble puisque ça tombait bien, les enfants sont à la cantine aujourd'hui et David ne travaille pas puisqu'il a fini sa formation hier et qu'il reprend que mardi le boulot. Donc on s'était dit, bah tiens, on pourrait passer la journée ensemble et partir sur Béziers, puisque Béziers ça fait un moment, mais genre on se souvient même plus de la dernière fois qu'on y est allé. Il me semble que Aria venait tout juste de commencer à marcher. Est-ce que tu te souviens, elle marchait dans le truc à jeu là-bas. Donc elle commençait tout juste à marcher, donc bah elle a 6 ans, donc je pense que c'était il y a 5 ans qu'on est. Ça fait 5 ans qu'on n'est pas retourné à Béziers, quoi. Ça date. Je crois. 5 ans, ou minimum 4 ans, sur 4 ans. Voilà. Donc, on va aller passer une petite journée tranquillou au Polygone. On va aller aussi dans la galerie Auchan parce qu'ils ont des nouveaux trucs qui ont ouvert d'ailleurs. Je crois que c'est dans la galerie de Auchan qu'ils ont des nouveaux trucs là qui a ouvert. Je sais plus c'est quoi d'ailleurs. Bref. On verra ça. Et alors, oui, péripéties parce que pourquoi ? De base, bah comme d'habitude, hein, comme tous les jours, Evan se lève à 6h pour 7h son bus et tout. Et il te bouscule. Et alors déjà à 6h, Aria qui nous réveille en trombe. Elle appelle, alors qu'elle appelle jamais Aria, elle a dit papa ou maman ? Papa. Papa ! Papa ! Tout affolée, tu sais, quand ton gosse il t'appelle comme ça pendant la nuit, oui, mais bon voilà, on se dit il y a un problème. Moi je croyais qu'elle avait fait soit qu'elle avait vomi en fait. Ça aussi. Bref. Et en fait il y va, la pauvre, elle a rêvé que son lit s'était déplacé et qu'elle n'était pas dans le bon sens. Donc il lui a mis la petite lanterne, là, la petite guirlande qu'elle a au-dessus de son lit pour la rassurer. Après ça allait, c'est endormi. Et donc je sais pas, tu sais, moi j'ai ce petit instinct de. Quand mon réveil a sonné à 7h, direct, qu'est-ce que je t'ai dit ? Il est où Evan ? Il est où Evan ? Il s'est levé Evan ? Il est où Evan ? Donc j'ai regardé sur la. Au lieu de me lever, c'est la mer, voilà. J'ai regardé sur la localisation sur mon téléphone voir où il était. Mais il était à notre adresse, n'est-ce pas ? Voilà, alors qu'il était censé être au bus. Mais son réveil a sonné parce que je l'ai entendu ce matin. Ah oui, mais ça a sonné. Soi-disant, il l'a pas entendu encore. Voilà. Non, il a sonné avant, hein. Ah oui, il a sonné, hein. On l'a entendu. Donc. Mais lui, il l'a pas entendu. Donc voilà. Hein. On l'a amené au collège encore. C'est pas comme si jeudi dernier c'était la même. Hein. Voilà. Donc bah écoutez. Ce matin, là, je vous jure, j'avais les boules encore. Parce que franchement, quand ça arrive une, deux fois, voilà, ça peut arriver, je dis pas, mais là franchement ça devient à nouveau récurrent. Et bon, au bout d'un moment c'est bon. Bref. Ceci étant dit, on se dirige vers Béziers, bon on n'en a pas pour longtemps. Hein. Il est 9h05, normalement 9h20. Dans 20 minutes, on arrive en fait. Voilà. Allez, on vous reprend tout à l'heure. Thank you.
Allez, on vous retrouve. Là, il est... J'ai pas ma montre. 11h10. Alors, on a été... En tout premier, on a été... Ah oui, c'est normal. C'est normal parce que Normal, en fait, c'est un magasin que j'ai pas autour de chez moi. Et la dernière fois que j'étais chez Normal, la première fois d'ailleurs, c'était à Toulouse. Et franchement, je me suis régalée dans ce magasin. Donc... Ben voilà quoi. On va vous montrer rapidement ce qu'on a pris. Et après, je vais vous montrer ce que j'ai... j'ai pris ça chez ProMode. Voilà. Un sac banane. Moi, j'adore les sacs bananes. Là, j'ai trouvé déjà la couleur et tout, la matière jean un peu comme ça. Bref, j'adore. Donc, j'ai tout réuni déjà à l'intérieur. Ça, c'était pas donné quand même, mais ça va. 25 euros pour ProMode. Et donc, c'est normal. Alors, déjà, j'ai repris mes éponges. J'en ai pris direct deux. Les Scrub Mami, moi, c'est mes préférés. Je les adore vraiment beaucoup. Ces éponges, elles durent hyper longtemps dans le temps. C'est pas comme les éponges basiques carrées, là. Franchement, celles-là, elles durent super longtemps. C'est vrai qu'elles s'abîment moins vite, hein, celles-là. Ouais. Ils regardent pour s'acheter un support pour téléphone. Parce que du coup, vu qu'il a changé de voiture, il a plus son support pour téléphone. Ensuite, j'ai pris ça. Ça, je le vois partout sur TikTok. En fait, c'est, vous voyez, c'est pour le l'évier. Vous mettez à l'envers, vous appuyez dans votre... évacuation là de l'évier, et en fait ça va faire rentrer de la mousse hyper épaisse, vous savez, et ça a tout nettoyé apparemment. Donc écoutez, on va tester ça ensemble. Je pense que je ferai la vidéo sur TikTok pour tester ce produit là j'avais trop hâte de tester. Ensuite, j'ai pris ça, c'est de la mousse, en fait c'est de la poudre que vous mettez dans les toilettes, et pareil, ça va faire une grosse mousse. Bref, je vois ça partout sur TikTok aussi, donc évidemment influencé comme j'ai été, j'en ai pris. C'est pas donné ces petits trucs par contre. Ensuite, en boisson, moi j'ai pris ça, c'est un truc pétillant, fraise, rhubarbe. Écoutez, c'est super bon. Il y a zéro calorie, ils disent. Et ouais, c'est pétillant, mais ouais, c'est super bon. David, il a pris un truc énergisant en coca, mais c'était pas ouf. T'as aimé, toi? C'est toujours pas mon préféré. Oula. Bref, et alors, j'y suis allée principalement pour ça. Vous allez halluciner de tout ce que j'ai pris. Mais vraiment, David, quand il m'a vu prendre tous ses paquets, il a dit non mais tu t'arrêtes quand? J'ai pris tout ça. De mes bonbons de mon enfance, là, les frites. Ça, comment vous expliquer? C'est la meilleure chose qu'on ait pu inventer pendant mon enfance, ça. Les bonbons. Franchement. Toi, tu connais pas toi, si, je crois que ça. Mais je crois que c'est allemand, c'est pour ça. J'en avais beaucoup parce que ça venait d'Allemagne, me semble. Je suis pas sûre. Ah bah oui, c'est ça, regarde, Germanie. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on en avait beaucoup, nous, en Alsace. Donc, j'ai pris fraises, j'ai pris cerises, les bestes, j'ai pris fruits rouges, les bestes, framboises, pareil, c'est les bestes. Et voilà, après, c'est tout en double. Ça, c'est 80 centimes le paquet, il faut que je les plante parce qu'Ariane, elle me dégomme tout si je lui montre. Pareil, ça, c'est allemand aussi, les Ritter Sport. Est-ce que vous connaissez ces chocolats? Moi, ça me rappelle trop ma grand-mère. Elle en achetait tout le temps quand elle allait en Allemagne. Elle nous en ramenait. Bref, et donc du coup, souvenir, quoi. Donc, j'ai pris Ritter Sport aux fraises yaourt et caramel beurre salé. Ça n'existait pas encore, ça, à l'époque. Enfin, si, le fraise, oui, mais pas le caramel beurre salé. Ensuite, ah oui, on va tester ça, là. Ouais. Tu mangeais pour voir? Non, on va tester maintenant pour voir, en direct. On a pris ça, là. C'est juste pour le fun, pour tester. C'est des sprays pour pas puer la gueule. Non, mais c'est des sprays, j'avais trop envie de tester. Ça m'intrigue trop, c'était 1 euro l'unité. Donc là, il y a Purple Power. Là, il y a Fruits Rouges. Et il y a Menthe. Tu veux qu'on teste lequel? Purple. Oh, c'est pas mal, hein. C'est un petit peu mentholé. Tu en as vu? On dirait du sirop. Pas mal, hein? Non, j'aime pas. T'aimes pas? C'est bizarre. Pour voir si on sent bon. Non, mais. Ah, j'ai même envie de vous. Ouais, non. Bah, ça sent rien, ça marche pas comme ça. Il est timide de faire un bisou devant l'équipe. Non, pas timide. On peut essayer celui-là? On va pas tous les faire, ça sert à rien, on va pas avoir le même goût. Ouah, ouah, celui-là il dégomme. Ouah, il dégomme. Ah, celui-là, t'as une bonne haleine avec ça. Vas-y, fais tep.
tep. Oh putain, j'aime pas du tout. C'est pas mal, hein. Ça, c'est bien pour les fumeurs. Moi, je suis pas fumeur, je suis plus fumeuse. Ah bon. Mais je pense que ça pourrait être pas mal. Voilà, voilà ce qu'on a pris. Là, on se dirige vers le polygone pour aller becter, n'est-ce pas? Parce qu'on a la dalle déjà. Non, c'est pas l'heure encore, mais. Bah, déjà, on va aller se mettre. On est des vieux, donc. Attendez, le téléphone, il va tomber. Oh, pardon. Oh, je suis pressé. Et. Prends-le dans la main, c'est bon, t'as pas. Oui, je vais le prendre. Et ouais, du coup, on va au polygone. Je pense qu'on sait pas en fait ce qu'on va prendre. Enfin, ce qu'on va manger, je veux dire, mais j'aurais voulu manger dans un endroit où ça n'existe pas à Narbonne, vous voyez, que ça nous change un petit peu. Après, celle-là, c'est bon. Merci. Donc on va voir. Je sais qu'ils ont Subway. Prendre Subway, à ça... gauche sur boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny. Pardon, attends, je vais couper le son. Là. Dans 107. Et Subway, ça fait des années qu'on a pu manger, puisque on avait un Subway à l'époque à Narbonne, mais il a fermé. Bah ouais, donc, il a voulu faire autre chose, il a voulu se défranchiser, faire autre chose, et puis il s'est pas allé. D'ailleurs, il a fait quoi à la place? Il avait fait pareil, même style, mais. Ah oui, gens, c'est vrai, oui, ça avait fermé, ça avait pas tenu longtemps. Les gens, ils préféraient Subway. Ça avait tenu deux mois, ou même ouais, trois mois, allez, c'était max. Le même principe, il voulait faire tout pareil, avec les propositions de pain, tout ouais, ça, sans franchiser quoi. Mmh. Mais au lieu d'être franchisé et imposé par Subway, il a voulu faire ça lui-même. Ouais, et mais et ça puis, a pas marché. Et ben, malheureusement, les gens, ils préféraient Subway à. Ah, ouais, c'est ça le problème quand on veut arrêter. Je cherche le parking. Ah oui, on va couper là parce que David, quand il est dans une ville où il connaît pas, c'est le stress total. Quand je connais, je m'en fous, je connais tout. Mais c'est le stress total. Il est en panique. Bon, allez. Je suis pas en panique, mais il faut que. Ah bah oui.
vous retrouve. Là, il est 14h48. On est sur le chemin du retour. Ça y est, on a notre coup de barre de la digestion là. Ouais, on est un petit peu HS là, donc on va rentrer. Et puis, on a fait toutes les boutiques qu'on avait envie de faire. On a fait en fait toutes les boutiques qu'on voulait faire sur le polygone, quoi. Et je vous avoue, on a un peu un coup de barre. Donc ouais, on est sur le chemin du retour. Je vous montrerai ce qu'on a acheté quand on rentrera. Et quoi de plus? Oui, on a trouvé Palais du Thé, parce que moi c'était surtout le thé que je voulais aller. Je voulais aller vraiment au Palais du Thé pour me racheter du thé. Parce que le Palais du Thé, pour le thé, franchement, moi j'adore chez eux. Donc du coup, j'en ai racheté. J'ai fait un petit stock. Et on est aussi allé chez Flying Tiger. Oh là-bas, bah c'est là où je vous ai filmé en fait. Là-bas, il y a de tout. Mais vraiment de tout, de tout, de tout. Ça donne à chaque fois. Ah, ils sont malins parce qu'en plus, ils font un parcours. Donc, tu es obligé de passer dans tous les rayons. Voilà quoi. Mais bon. Allez, bon, je vous retrouve à la maison. Bon, ça y est, on est rentré. Il est 15h47. Alors, on va vous montrer ce qu'on a trouvé chez New Yorker. Moi, je me suis pris un jean. C'était en promo en fait. 14,99. C'est un jean tout simple, mais il est destroy un peu sur les genoux là. Hop, et ouais, en fait budget, il est. Un petit budget, j'ai d'ailleurs. Un jean troué. Ouais, et en fait ce qu'il y a, c'est qu'il est un peu. Vous savez, il n'est pas trop long en bas. Donc là pour le printemps, c'est top. David, j'ai trouvé une chemise comme ça. Petit bûcheron. J'avais plus ou moins le même en vert, j'ai dit tiens, pourquoi pas en rouge. Voilà, donc ça il a le rouge en rouge et ouais, en vert. Ouais, comme ça j'ai le choix. Elle est à 12,99. Ouais. Et j'ai fait une affaire d'enfer là, sur le jean. Ouais, le jean. Le jean de ouf quand même. Il était à 9,99 je crois. 9 quelque chose. Ouais, 9,99 au lieu de 29,99. Ah ouais, non, de ouf. J'ai pris direct. Il est simple et tout, mais franchement. Non, il est bien. La couleur, j'aime pas cette couleur. Ouais. Elle est sympa la couleur. Voilà, ça c'était chez New Yorker. Ensuite, pour l'été, du coup, je vais vous montrer, j'ai pris thé des songes. C'est un oolong, fleur et citron. Est-ce que vous allez voir? Voilà. Et celui-ci, je l'ai pris en sachet. Je trouve ça plus pratique de le prendre en sachet, donc celui-là, je l'ai pris en sachet. Et celui-ci, par contre, je l'ai pris en vrac parce qu'il ne l'avait pas en sachet. J'ai pris jardin fruité. Alors l'odeur, c'est juste incroyable. C'est une infusion. Et donc c'est mélange baies de goji, fruits rouges, dattes, kiwi. Franchement, l'odeur, elle était incroyable. Hein, toi aussi, tu l'as senti, t'as bien aimé. Bon, après, elle va donner des petits échantillons là. Ils m'ont renvoyé tout. Enfin, ça va, ils sont pas radins sur les échantillons. Franchement, ils en donnent pas mal. Et chez Flying Tiger, j'ai pris. Alors, la plupart des trucs, c'est pour les enfants. Donc, j'ai pris celui-ci. En fait, c'est de la poudre. C'est du sucre pétillant. Donc, j'ai pris celui-ci pour Aria. C'est à la fraise. Et je me suis dit qu'avec le petit mouton, ça va lui plaire. Et ça, c'est pour les garçons. C'est la même chose, en fait. Sauf qu'il n'y a pas le petit mouton dessus. Et que ça, c'est tutti frutti le goût. Voilà. Donc, ça, c'est pour les garçons. Et ça, c'est pour Aria. Ensuite, pareil, j'ai pris pour les trois. Des tubes comme ça, vous savez, de chewing-gum qu'on avait à l'époque, là. À l'époque, c'était quoi comme marque qui avait ces chewing-gums? Bubblegum. Ouais, c'était Bubblegum, un truc dans le genre. Et du coup, voilà, j'en ai pris un pour les trois, comme ça, il n'y a pas de dispute, tu vois. Et donc, c'est pareil, goût tutti-frutti. Ensuite, j'ai juste pris ça en plus pour Aria. Je trouvais ça vraiment trop mignon. Non, franchement, ça, je pouvais pas. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, il faut que je lui prenne, c'est trop mignon, quoi. Et voilà. C'est, vous avez le crayon là et tout plein de petites gommes. J'ai trouvé ça mais tellement kiki. Enfin, je sais pas, j'adore. Je trouve. Et ça, c'est pour moi. Parce que quand je l'ai vu, parce que moi, je suis une grande enfant, faut le savoir. En ce qui concerne les trucs comme ça. Oui, donc je disais, je suis une grande enfant moi aussi et j'adore les petits accessoires mignonnets, les stylos et compagnie. Et donc voilà quoi. Et ça, c'est un stylo, mais j'ai trouvé mais tellement kiki. Non mais, je sais, je suis une gosse, hein. David, quand il a vu ça, il a éclaté de rire. Hein. Il a dit, je veux quand même pas acheter ça. Bah j'ai dit, si, c'est trop mignon.
Et puis c'est toujours plus fun d'écrire avec ça qu'avec un stylo normal, tu vois. Voilà, là, c'est tout pour Flying Tiger. Ouais, c'est tout. Après, le reste, on vous a montré de toute façon qu'est-ce qu'on a pris. Ouais, le reste, c'est Stokomanie. Bah ouais, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Ben, il est passé où? Elle est passée où, mon huile? Parce qu'on est passé chez... Ah! On est passé chez Rituals. Moi, Rituals, c'est un magasin de cœur. J'adore tout ce qu'il y a à l'intérieur. Franchement, tout est bien. Tout est trop, trop bien. Et évidemment, ça donne envie de tout acheter hein, chez Rituals. Et là, je suis tombée sur une huile pailletée. Alors, je vous arrête tout de suite. Je l'ai achetée parce que je n'en vends pas sur ma boutique. Non, parce que maintenant, je me prends de réflexion. Quand j'achète... c'était quoi ce que j'ai acheté? Ah oui, quand j'ai acheté une bébé crème sur Amazon, on me dit « Ouais, pourquoi t'achètes une bébé crème si tu vends de la cosmétique sur ta boutique ?» Oui, mais je ne vends pas de bébé crème. Donc forcément, j'en achète. C'est comme, je sais pas moi, une petite épicerie de village. Si elle ne vend pas de lessive, elle va forcément en acheter ailleurs, de la lessive. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, je ne vends pas d'huile pailletée. Donc, j'en ai acheté une chez Rituals. Voilà le pourquoi du comment. Non, je préfère dire à l'avance parce que sinon, je vais encore, voilà, devoir m'expliquer alors que ça paraît complètement logique. Forcément, je ne vais pas acheter de produits pour les lèvres puisque j'en vends à masse sur ma boutique. Des parfums, j'en achète plus ailleurs puisque j'en ai plein aussi. Enfin, je veux dire, mascara, c'est pareil. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça, j'en achète plus parce que forcément, j'en vends sur ma boutique et que j'en ai. Mais des huiles pailletées, je n'en ai pas. Et de la bébé crème, je n'en ai pas non plus. Voilà. Donc voilà, c'est celle-ci, l'huile pailletée. Elle est juste incroyable. Elle sent... Et puis, elle est pailletée, quoi. Elle est pailletée. Oh, l'odeur. J'ai qu'une hâte, là, d'être ce soir après la douche pour pouvoir me l'appliquer sur le corps. Après, c'est pas donné, hein, mais voilà. Et c'est tout. C'est tout. On va ranger tout ça. Alors, il est 17h28. Je vais faire des barres de céréales. Du coup, je prends environ... 2, 4, 6, 8, 10... Environ 10 dattes. Je vais mettre de l'eau bouillante dedans. Et en fait, je vais mixer. Ça va me faire une genre de pâte de dattes. Donc ça sera ma base pour, à peu près, enfin, ouais, pour colmater. Et surtout pour sucrer les barres de céréales. Parce que je vais mettre aucun sucre à l'intérieur. Donc ce sera mon sucrant, si vous voulez. Et ça va permettre aussi de bien colmater les barres. Donc 10 à peu près. Hein, 10 barres. 10... Comment dire ? 10 dates, mais vous pouvez en rajouter plus ou moins, ça dépend. Voilà, moi je fais tout au pif. Franchement, j'ai pas de recette, je fais tout au pif. Je mets en fait à l'intérieur ce que j'ai envie, ce qui me semble bon et ce qui me reste dans les placards. Mais ça fonctionne très bien. Voilà. Donc voilà, là j'ai rajouté à hauteur de l'eau bouillante. Je laisse un petit peu, vous savez, que la date ramollisse un petit peu. Et ensuite, je vais mixer avec un mixeur plongeant, vous savez. Ça va me donner une pâte, je vous montre ça. Donc du coup pour les flocons d'avoine, je mets au pif pareil, mais franchement c'est quand vous faites des barres de céréales, c'est pas au gramme près, etc. Enfin, c'est pas obligé que ça soit au gramme près quoi. Si vous voulez vraiment une recette avec des bien détaillée, je pense que vous pouvez en retrouver sur internet. Mais voilà, moi je fais vraiment au pif. Hop, à peu près ça de flocons d'avoine. Là je vais rajouter ça puisqu'il m'en restait encore dans le placard. C'est en fait, de base, c'est une poudre instantanée pour petit-déj. Et elle est très bonne parce qu'elle est un petit peu vanillée. Il y a des amandes dedans, des graines de chia. C'est excellent. Et je trouve que c'est pas mal dans les barres de céréales comme ça. Enfin, dans la préparation pour barres de céréales. Il m'en reste pas beaucoup, donc je vais tout mettre. Mais ça, franchement, je vous le conseille si vous ne connaissez pas. Vous pouvez très bien l'utiliser aussi pour mettre dans vos, par exemple, dans vos yaourts. C'est super bon et c'est très protéiné, source de fer, etc. Il n'y a pas de gluten et c'est vegan. Bon, je vais remuer ça déjà. Alors, dans cette préparation, je vais y rajouter du sirop d'agave parce que pareil, il m'en reste dans les placards. Donc, au lieu de prendre du miel que j'utilise plus souvent dans les recettes, je vais prendre du sirop d'agave qui, par contre, ça, j'utilise moins. Donc, voilà, j'en mets à peu près 2 cuillères à soupe. Je vais rajouter également une compote entière. Donc il y a 100 grammes, je crois, là-dedans. Je crois que c'est 100 grammes les compotes comme ça. Il n'y a pas. Bref, une compote entière. Ça va vous permettre de colmater toute la préparation.
Vous pouvez très bien rajouter une banane écrasée, ça fera le même job. Je vais rajouter également des amandes effilées parce que pareil, il m'en restait, donc j'en rajoute à la préparation. Tu vas où? J'ai entendu ma table sonner, mais je peux pas aller me charger un truc. Là, c'est pas, Donc pour la pâte, ça doit vous donner à peu près ce genre de consistance là. Vous voyez, ça fait comme en fait de la compote. La consistance d'une compote, si c'est un petit peu plus épais, c'est pas grave non plus. Mais voilà, ça fait à peu près ça. Vous versez tout la préparation dans le reste. Voilà, du coup, je vais aussi concasser quelques noix. Ça va être trop bon avec les noix. Hop. Donc là, les noix, je vais y rajouter dans le mélange. Je vais également rajouter des copeaux de noix de coco. Toc. Non, parce que moi, je mets un petit peu tout. Hein. Vraiment, c'est complet mes barres de céréales, tu vois. Donc, noix de coco. Et je vais aussi y rajouter, à défaut d'avoir du beurre de cacahuète, je vais rajouter du beurre d'amande. Environ une bonne cuillère à soupe, je dirais. Et là, du coup, je vais bien malaxer, mais je vais y aller au gant. Comme ça, j'ai bien tout malaxé ensemble. Là, quand je vois la consistance, je la trouve un peu trop sèche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter encore un petit peu de compote dedans. Et là, tout à la fin, je rajoute des pépites de chocolat. Alors, je le fais vraiment tout à la fin parce qu'en fait, avec le mélange dattes et eau chaude, je ne veux pas qu'en fait mes pépites de chocolat fondent. Parce que ça m'est déjà arrivé la toute première fois que je l'avais fait. Et du coup, ça avait un peu gâché. Même si je vais le faire cuire, voilà, je préfère que les pépites soient bien entières. Quand je les mets dans. Quand je mets la préparation dans le moule. Comme ça, ça va peut-être fondre au moment de la cuisson, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Au moins là, c'est bien solide. Voilà, en fait, la consistance, il faut qu'elle soit comme ça. Vous voyez, il faut qu'en fait, quand vous prenez la préparation, voilà, il faut que ça laisse en fait la trace bien colmatée, vous voyez. Voilà, là c'est la bonne consistance et là vous pouvez les mettre dans les moules. Donc moi pour les moules, j'utilise des moules que j'avais achetés chez Action, spécial pour les barres de céréales. Par contre, je ne sais pas si c'est encore en vente, mais je pense que vous pouvez utiliser très bien un moule à cupcake par exemple. Ça fera l'affaire. Alors, je vais vous montrer comment je fais. Je place la préparation comme ça. Et vous voyez, je tapisse bien en fait, partout. Hop. Et là, vu que j'ai fait beaucoup de préparation, je peux, voilà, je peux quand même assez bien monter. Après, faut pas oublier que je vais rajouter un nappage au chocolat sur le dessus. Voilà, vous voyez, là c'est parfait. Je vais continuer pour le reste. Et là, ce qui est cool, c'est qu'il rentre tout pile dans mes tiroirs pour l'air fryer. Donc bah écoutez, je l'ai fait cuire à l'air fryer, cela. Hop, ça m'évite d'allumer le four et c'est plus rapide. Donc de ce côté-là, je les ai mis 11 minutes parce que je les ai fait plus petites. Enfin, je les ai fait à moitié. Et là, je les ai vraiment remplis, donc je mets 15 minutes à 200 degrés environ, mais je surveille forcément. Au fur et à mesure, je regarde où ça en est. Bon, et bien voilà ce que ça donne pour les barres de céréales.
Elles sont vraiment trop trop bonnes. Je viens d'en goûter deux là. Alors là, je les laisse se refroidir quand même. Je les laisse refroidir et ensuite, je vais faire un nappage au chocolat. Tout simplement, je vais faire du chocolat fondu. Je vais napper par-dessus et je vais mettre des noisettes, des cacahuètes, pardon, concassées direct sur le dessus quand le chocolat est encore chaud. Comme ça, en fait, ça va les sceller en fait dans le chocolat. Voilà. Et après, je les mettrai au frais. D'abord, évidemment, je les laisserai un petit peu refroidir parce que je mets jamais des choses chaudes dans le frigo. Mais voilà. Et franchement, elles sont trop trop bonnes. Voilà. Et là, donc, du coup, j'enchaîne. Je vais faire un gratin dauphinois pour ce soir. Avec ça, on va manger des aiguillettes de poulet panées à la chapelure ponko. Bah, ça va être très bien.